Thank you very much, Vice Minister, for that important statement around China's long-term commitment on South-South cooperation to the continent across training, infrastructure, investments, exchange of information. And having just recently been in the three neighbouring countries affected by Ebola, I can say that China has done an outstanding job through its health workers there and the Ebola treatment units, and everyone's indebted to you for that solidarity. So thank you so much. I'm going to come to the other side of the podium now and come to our colleague Mukhtar Diop, the Vice President for African Region of the World Bank. And Mukhtar, I invite you to say a little about the bank's support for African emergence. Thank you very much, but excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais pas parler de la Banque mondiale en tant que telle. Je vais parler plutôt de ce que les pays africains font. Tout d'abord, lorsque le président Ouattara, mon ancien patron, a parlé des 10 points sur l'émergence, j'étais un peu confus parce qu'il correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Donc, je crois que j'ai été, monsieur le président, peut-être un bon élève quand vous étiez mon patron. Je souhaiterais peut-être mettre l'accent sur, je crois que les principes qui ont été évoqués par le président Ouattara dans son allocution sont très clairs. Les 10 points, pour moi, recouvrent l'ensemble des enjeux. Peut-être voir maintenant comment avancer en pratique sur ces enjeux. Et je commencerai par la question du risque. Un des progrès que les pays émergents ont réussi à faire, c'est que la perception du risque a diminué de manière significative durant cette période de transition. Des pays qui étaient considérés comme des destinations risquées d'investissement, où le marché avait un premium, risque premium qui était très élevé au niveau du financement, ont, au cours du temps, réduit cette perception du risque, et ce qui a fait que le coût du financement était moins cher, que les investissements sont arrivés. En Afrique, on a encore une grande perception du risque, une perception du risque qui est beaucoup trop élevée. Donc, comment réduire cette perception du risque est un élément important pour une transition vers l'émergence. La seconde, c'est que quand on a une croissance qui est basée sur l'accumulation des facteurs, comme le président Ouattara l'a dit, cela, à un moment, a des limites. On arrive à un point où on a atteint les limites et il faut accélérer la productivité de nos économies. Et c'est un peu le défi que nous avons. Pour augmenter la productivité de nos économies, il faut investir sur les deux facteurs, qui sont le facteur capital et le facteur travail. Aussi bien au niveau de ces deux facteurs, nous avons des retards. Et je voudrais m'appesantir sur un aspect tout particulier, qui est celui de l'énergie. Tous les pays émergents ont eu à régler la question de l'énergie à un point ou à un autre, en la mettant de manière disponible et à un coût bas. Aujourd'hui, la même conversation aurait été tenue il y a 3 ans. Nous aurions eu une discussion sur la volonté du secteur privé d'investir dans l'énergie. Aujourd'hui, je viens de Genève, où le Premier ministre a dirigé une délégation ivoirienne. Il y a une volonté énorme des investisseurs privés d'investir dans la production. Qu'est-ce qui les retient? C'est la qualité des entreprises de distribution. Ils nous disent tous, je suis prêt à investir dans la production, mais il faudrait une meilleure gouvernance dans les entreprises de distribution, il faudrait avoir une meilleure efficacité dans ces entreprises de distribution, et nous, on est prêt à investir, à vous aider à faire les progrès qu'il faut. Donc, je crois qu'une question concrète et pratique, c'est comment faire dans le continent pour que nos entreprises de distribution d'électricité soient à part avec ce qui se passe dans le reste du monde et puissent avoir des niveaux de performance. Nous avons réussi à le faire en Afrique dans le secteur de la télécommunication. Nous avons réussi à le faire plus ou moins dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'énergie est celui qui, aujourd'hui, constitue un obstacle important pour nous permettre de faire ce progrès. Cela permettra également d'avoir une meilleure interconnectivité. Il y a de grands projets aujourd'hui, que ce soit Inga, que ce soit Swapiti Keleta, que ce soit le Lompanga, que ce soit d'autres projets de cette nature, hydro, qui pourraient générer assez d'électricité pour l'Afrique à un coût très bas, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas être exploités parce qu'ils n'ont pas l'interconnectivité. Et ceux-ci sont des pas très importants pour la politique d'intégration régionale. Le deuxième élément, c'est l'investissement dans le capital humain et particulièrement dans l'éducation. Les pays africains ont fait des progrès énormes en termes d'accès de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général, secondaire et supérieur et primaire, mais nous avons des problèmes sur la qualité de cette éducation. Et cela exige bien sûr des réformes importantes qui exigent un consensus au niveau social, au niveau national.
Je viens de Chine. En Chine, il y a un mois et demi de cela, la Chine investit à 40% de ces universitaires, des gens qui sont du secteur universitaire, qui sont formés dans les sciences, technologies et mathématiques. L'Afrique n'en produit que 20%. Nous ne pourrons pas augmenter la valeur ajoutée, avoir cette volonté de transformer nos économies si nous ne formons pas plus de scientifiques, nous ne formons pas plus d'ingénieurs, plus de mathématiciens, plus de techniciens. Donc, les pays africains font des réformes. Le président Macky Sall est en train de le faire au Sénégal en essayant de réformer et de donner plus un contenu scientifique plus important de l'enseignement. Le président Ouattara le fait avec le rôle de Yamoussoukro. Ce sont des réformes de cette nature qui devraient être accélérées, généralisées dans le continent si nous voulons augmenter la productivité de notre force de travail et la rendre plus. Troisièmement, la transformation d'une économie, ça s'inscrit dans la durée. Et je crois que nous, institutions comme la Banque mondiale, nous commençons à l'apprendre. Les réformes prennent du temps à mettre en œuvre et les fruits sont les fruits qui sont obtenus sur le long terme. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut aller doucement, lentement et attendre que ces réformes portent leurs fruits? Non, il y a la possibilité d'accélérer cet effort. Et pour ce faire, un des obstacles importants, c'est l'efficacité de notre administration dans nos pays. L'administration, quand on compare tous ces pays émergents, ils ont eu une administration extrêmement efficace, rapide, bien benchmarkée sur le reste du monde, où les décisions qui sont prises par l'administration sont claires, transparentes et peuvent permettre aux investisseurs privés de prendre des décisions très rapides. Je crois qu'à ce niveau, dans nos pays, nous avons encore des efforts à faire pour pouvoir arriver à un niveau qui soit un niveau proche de ces pays. Le quatrième élément, c'est la question du secteur privé national. Aucun des pays émergents ne s'est développé sans l'existence d'un secteur privé national fort et bien développé. Et je crois qu'également au niveau de la Banque mondiale, c'est quelque chose que nous apprenons et que nous commençons à intérioriser encore beaucoup plus. Il est clair qu'en Amérique latine, où j'ai séjourné, où j'ai travaillé, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, le secteur privé de ces pays est très fort. Dans nos pays, je crois qu'il y a encore des efforts que nous pouvons faire dans les politiques pour pouvoir créer des conditions pour que le secteur privé de nos pays puisse investir dans les secteurs à long terme, qui puisse aider à créer des emplois, qui puisse créer de la valeur ajoutée. Dernier point, qui est lié à la chaîne des valeurs. Quand on parle d'émergence et de compétitivité sur le marché international, il faut que le marché soit lié. En Chine, tout n'est pas produit en Chine. Les mobile phones qui sont produits en Chine reçoivent des puces qui viennent du Japon, et ces puces ont des éléments qui sont eux-mêmes construits en Chine. Donc, en Afrique, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas ces mouvements entre pays qui permettent des niveaux de spécialisation et de productivité et d'efficacité qui nous permettent de compétir avec les autres pays émergents. Donc, il serait important que tous les efforts d'intégration régionale puissent permettre à ce qu'un investisseur puisse se spécialiser dans un domaine en Côte d'Ivoire, mais qu'il n'ait aucun problème pour transporter son input au Sénégal, au Mali, en Guinée, et ainsi avoir un produit fini qui crée la valeur ajoutée sur le continent et qui soit compétitif sur le reste du monde. Je m'en arrête là pour des questions de temps, mais je voulais juste mettre l'accent sur ces points, Excellence, parce que je crois que vous avez, dans les 10 points que vous avez annoncés, fait une liste qui était très exhaustive. Merci. Thank you very much. Let's bring in now Minister Idris Jala of Malaysia, who leads Malaysia's performance management and delivery activity on behalf of the Prime Minister. Malaysia, well known, I think, on this continent for its emphasis on key results and prioritisation as it continues its economic journey, and it's now a high middle income country and with aspirations to emerge to developed country status in the near term, shall we say. So please, Minister, share some experiences with us. Thank you. For countries to emerge, I believe from low income to middle income, for countries to emerge from middle income to high income, we did some work in Malaysia, and we kind of felt that for them to achieve that, all those countries need to do three things. The first thing was, when we looked at about 20 countries who have produced 5-year or 10-year plans, the plans are all beautiful, but when you look at all the chapters, there is no chapter on budget. So when you have a beautiful plan,
5-year plan, a 10-year plan, you don't say this is a budget to execute it. It just cannot be done. So I make the comment that a plan without a budget is actually just a draft. Thou shalt never publish a draft because it's not going to be implemented. So I think that is the key. And the experience we have in Malaysia is that we had to figure out how do we get ourselves to prioritize what is really important. I do believe every country, there is enough money to do everything. So if you don't have budget for it, instead of 10 priorities, make it 3. You will have enough money to do 3 budgets, 3 priorities. So I really think focus is critical. And second most important thing is all countries that I saw their plans tend to be at 30,000 feet, very high level plans, but they don't bring them down to 3 feet level. I give an example. Suppose we were to say, by the year 2020, a particular country need to make sure 90% of its population in the rural areas will have access to water or electricity and road. To bring that down to 3 feet, you have to say, every single year, how many roads are you going to build? How many electricity connections, house by house, are you going to build? And how much money is going to cost you? At that level of granularity, until and unless you translate the 30,000 feet to 3 feet, you have difficulty implementing. And the third one is about accountability. Accountability means you have to name the individuals who's going to run it. In the case of Malaysia, we have given iPad to all ministers, and we have KPIs for them, key performance indicators. And every Friday at 5 o'clock, they will have on their iPad a score whether they've delivered what they promised for that week. If it is delivered, it's green color. If it's not delivered, it's red. If it's partially delivered, it's green, it is yellow. Why on Fridays? Because the Prime Minister can spoil their weekend for not delivering. We also give scores to all the ministers, and all their KPIs, their performance for the year is published. So if you come to the Pamandu website, you will see which minister has 81% or 72%. The list of what he promised to do and delivered is also there. What he hasn't delivered is also there for the whole public to see. Now, the beauty about being transparent is that it causes accountability to be serious. So I believe that every 6 months, ministers must have a staff appraisal with the Prime Minister. Must have it every 6 months. And he needs to have a score. Returning to the point that was raised by my colleagues earlier on. Returning to the point about how to get the private sector to be involved to deliver real results. We started a very massive experiment in Malaysia. And that is this. We got the key private sector players to come to the room, all the sectors, the big players, medium-sized players, and we had about 500 people full-time, and we locked them in laboratories for 8 weeks full-time. And we told them, here, together with the government and the private sector, you tell us how to grow the sector, how you will invest, and then we will do it. In 8 weeks during the last World Cup, the previous World Cup. And the amazing thing is that the private sector in oil and gas, they have Shell people were there, Exxon, and all the players were there. They basically told us, your fiscal regime is no good. You got to change the fiscal regime to look like this. If you do that, we will invest money. After we finished the 8 weeks, Shell invested $10 billion, the group, just for oil and gas. That's the biggest EOR project in the whole of Shell Group worldwide. I give another example. A hotel company wants to build a hotel. They've said, I got the money, I got the land. All you people and the government need to do is to approve the building. That's all. I can tell you, when we went through this laboratory, it was quite amazing what was happening on the ground, which we could not see. And so before the work that we did, private sector investment only grew annually at 3.1%. Over the last 4 years, private sector investment grew by 14% annually.
And so I totally believe that if you really get the private sector and lock them in the room for eight weeks full time, and you tell them you throw away the key, and the motto is Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. You stay there until you tell us what to exactly to do. And I think if you did so, it is incredible the amount of things you can do. And I believe this thing that we did in Malaysia is being done in Tanzania. I have 23 people full-time in Tanzania helping the Tanzanian government doing very, very similar thing. We ran labs there, and I believe it is totally, completely transferable. Thank you. I'm a bit of a loss of what new I could bring to the table. But then I thought that maybe I should say something about the African narrative. And it's very important because that has changed. Just a while ago, believe it or not, Africa was a place which was exceptional, but exceptional for the negative reasons. It was a place where there was no growth, where there was no law. People would say, yeah, that is Africa. Where there were no property rights respected, yes, that is Africa, and so on and so forth. Where there was war, that was Africa. Quick death, that was Africa. No accountability, that was Africa. So I'm extremely happy as a student of Africa, the African economy, but also working at the African Development Bank, to be able to say that, yes, we can no longer blame it on geography. We can no longer blame it on disease. We can no longer blame it on colonial legacy, because many people have emerged. And I'm so very happy to be here representing President Kaberuka on this very important subject of emerging Africa. Now, there is a small danger here of being romantic about emergency. There have been so many things coming. President Ouattara, you were almost my boss as well. I joined the IMF the year you left the IMF. So I must say that there are a whole lot of things of the nature that we have had before. You have heard of structure adjustment called some other things, basic needs. Structure adjustment is really transformation also, and so on. It was very hot at one time. We supported it. We were very excited. But then it didn't quite work. So I'm very happy that today it is African governments themselves that are pushing the agenda. It's not an externally driven thing coming from Bretton Woods, not even coming from the ADB, but coming from the governments themselves, pushing the agenda, bringing their people along. So I would like to, since everything seems to have been said, I want to just speak on 7 points. And I want to call that the agenda for emerging Africa. Just small 7 points. The first one, which we shouldn't forget and keeps coming over and over again, is that we should ensure that poverty is eliminated from the continent. All these things will be completely useless if we cannot eradicate poverty. And we should also make sure we are no longer a poor continent. There's gas, there's oil, there's all sorts of things. There's human capital today. There was a time when we didn't have these people. We didn't have trained engineers and so on. We have them. So let's use the resources for the betterment of the African population. And importantly, let's have a debate. Let's not run away with something that we haven't tested. So let's allow African minds, let's give them space to ponder Africa's future. In other words, let's support the universities. Today, universities are extremely poorly funded. Actually, the one in Kokodi here I visited, I normally visit universities for just my own sake. I used to be a university professor. I think it's very well done. The buildings are okay. But I've been around Africa, and the university looks like a primary school. We shouldn't allow that to happen. We should allow our people to be able to ponder our own development. And, of course, trade is going to be very important. So we should get into relations with China, but with others, European Union, America, on favorable terms. We need to trade. That is important. But we also need to exploit the benefits of the global economy. There are a whole lot of dangers there, but we need to understand them if we need to benefit from those. And, of course,
We need peace. And peace means that let's stop civil wars. Let's stop the death of our mothers, of our sisters, of our young children. And let's ensure the peace. Once you have peace, a whole lot of things can happen. So finally, my last point, a vision for Africa. And going back where I started, elimination of poverty. I would like to have a situation where, like in a child story, somebody comes and says, Hodi, Koko, 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 and then somebody says, who is there? And you open the door and says, you know, we are looking for Mr. and Mrs. Poverty. And you say, oh, Mr. and Mrs. Poverty. They don't live here anymore. They are long gone. You better look somewhere else. Thank you so much. Add a point, je vais juste mettre un point que j'avais omis, Excellence, si vous permettez, c'est la question du financement local. Un élément important dans l'émergence de ce qu'on a pu voir dans un certain nombre de pays, c'est le développement du système financier local. Aujourd'hui, nous avons le peu d'épargne que nous avons sur le continent, et le président Ouattara l'a bien souligné, malheureusement ne reste pas dans notre continent. Je crois que le rapport Mbeki en a beaucoup parlé également. De manière illicite ou licite, ces ressources sont. Et la raison, on se pose la question de pourquoi. Pourquoi les gens préfèrent investir dans des TB, des Treasury Bonds aux États-Unis qui ont un taux de rendement de très faible, au lieu de mettre leur argent dans des instruments. Donc, je crois développer les instruments qui soient des instruments solides, développer les bourses des valeurs. On ne pourra pas avoir 50 bourses des valeurs qui ont une capitalisation en Afrique qui puisse attirer des investissements. Il faut qu'on fédère ces bourses des valeurs, qu'on trouve des moyens de vraiment les rendre encore plus forts. En faisant cela, ça aidera beaucoup à réduire le risque de change que beaucoup d'investisseurs font en Afrique, mais également à mobiliser l'épargne nationale pour pouvoir aider à financer. Parce que cela a été aussi une des clés du succès d'un certain nombre de pays émergents qui ont réussi à mobiliser l'épargne qui était générée dans leur pays pour l'investir dans des secteurs productifs. Je voulais juste faire ce point, Monsieur le Président.